Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Grand plaisir pour moi de vous accueillir ici dans des conditions qu'on va qualifier de correctes. La partie commentaire sera assurée comme toujours par Pierre Ménès et moi-même. La rencontre que l'on va suivre concerne les clashs d'équipe. Beaucoup d'attentes autour de cette rencontre, hein, Pierre. Oui, une compétition que j'aime particulièrement. On est toujours surpris au moment de découvrir les compos. Et puis aussi le niveau de jeu des adversaires. Maintenant, je ne sais pas toi, Hervé, mais moi, je le sens bien, ce match. Isco. Allez, il continue. Isco. Isco, ouais, elle est belle, cette passe en profondeur. Personne qui repousse, ça joue. Il a préféré dégager ce ballon. L'équipe à domicile, dont voici la composition. Alors tactiquement, l'entraîneur a choisi un 4-3-3. L'avantage de ce système, c'est à la fois d'avoir la maîtrise au milieu et de pouvoir exploiter toute la largeur en attaque. Joao Cancelo, on fait tourner en essayant de faire sortir un petit peu l'adversaire pour placer une flèche. On va s'intéresser ensemble au 11 de départ côté visiteur. Dans les buts, David De Gea. Kalidou Koulibaly sera en défense avec Raphaël Varane pour partenaire. Casemiro sera associé à Isco au milieu. Il y aura donc l'occasion pour prendre les devants. Oh, c'est encore chaud. Le centre en retrait. Oh, le but, l'ouverture du score. L'ouverture du score déjà. Ah, ça n'aura pas traîné. Voilà une équipe qui a l'air pressée de gagner aujourd'hui. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Sterling. Sterling. Il ne trouve qu'un adversaire sur son chemin. Anthony Martial. Incroyable accélération de la carrière d'Anthony Martial depuis son départ de Monaco. Ah oui, il est passé de remplaçant de luxe en principauté. Martial, Anthony Martial, oh, ça peut faire but. Ouais, très bien défendu. Attention à ce ballon récupéré là, très haut. Juan Agudelo. Et voilà, beaucoup d'autorité dans cette intervention du gardien. Bon, c'est pas le plongeon de l'année, mais c'est bien. Il a préféré ne pas prendre de risques. Ouais, bien frappé ce corner. Corner repoussé par le gardien. Donny Van de Beek. Ballon rendu à l'adversaire. On semble avoir choisi d'attendre. Attention quand même à ne pas jouer trop bas. Spartak qui intercepte. Allez, ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque. Ouais, pas très bien joué ce contre. Ça a été trop lent et l'adversaire a le ballon désormais. Attention, elle pourrait être dangereuse cette attaque. Anthony Martial. Attention, il n'a pas capté Ederson. Ce sera une touche à suivre. Anthony Martial. Léon Goretzka. Il parvient à stopper cette offensive. Il faut trouver une ouverture. Goretzka, pas de soucis pour le gardien. Il a cherché le point de pénalty sur ce corner. Un mauvais dégagement, mal fait. C'est contré. Jordi Alba, Casemiro. Il va pouvoir adresser un centre. Ouais, bonne intervention, hein, des défenseurs loin devant. Il cherche une solution. Goretzka. Elle frappe contrée par le défenseur. Un ballon qui est rendu au camp adverse. Anthony Martial. Le gardien qui écarte le danger, mais ça joue toujours. Très mal donné, hein, ce ballon. Oh, bien vu la talonnade. Isco. Ouais, il y a des options dans la surface. Il faut trouver une option disponible. Goretzka. On cherche la faille dans la défense adverse. Il faut tourner en attendant une ouverture.
Voilà, la bonne inspiration sur cette passe. Alors ça, c'est plutôt moyennement joué. Ce sera sans difficulté pour Ederson. Wan-Bissaka. Donny Van de Beek. C'est une mauvaise passe, c'est cadeau. Et il est toujours aussi précis dans ses transmissions. Dele Alli. Isco. Isco, ouais, elle est belle cette passe en profondeur. Non, je demande s'il y a vraiment cru. Ouais, la défense qui concède un corner. Ah, il est bien tiré le corner là. On cherche des solutions là. Casemiro. Un long ballon loin devant. Allez, bonne touche dans le camp adverse. Anthony Martial. Cherche une solution là. Casemiro. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? Allez, le plongeon là pour les photographes, même si c'est vrai quand même le danger était réel. Ouais, enfin ça fait un peu pop-corn comme intervention quand même. Isco. Ah non, ça n'ira pas plus loin. Donny Van de Beek. Il y aura 2 minutes de temps additionnel, ce n'est pas énorme. Wan-Bissaka. André Lemaria. Rapidité, vivacité, technicité. J'ai résumé à peu près les quais. Allez, mi-temps, c'est la mi-temps. Léger avantage au moment de regagner les vestiaires, 1-0. Pierre, vos impressions sur les 45 premières minutes de jeu d'Isco? Ouais, il est en train de faire un bon match, c'est clair. Il a du gaz, il est dans les bons coups. Jusqu'ici, c'est costaud. C'est donc parti pour la seconde période. Et on va tout de suite voir si les entraîneurs ont donné de nouvelles consignes tactiques ou pas. Thomas. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. On cherche une solution. João Cancelo. Le ballon dans l'axe. Attention. La frappe. Oh, il y est. Oh, le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre. Allez, c'est dur à digérer pour l'adversaire, mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires. C'est pas terminé, même si ce sera dur. Ça fait maintenant 2-0 au tableau d'affichage. Ils accentuent leur avance. Ouais, Sterling qui va peut-être déborder. Masuaku, Felipe Anderson. Angel Di Maria. Il y a quand même déjà un très beau palmarès. Avec un tir. Oh, elle n'est pas passée loin. Ah, la bonne qualité de ses passes. Koretka. Isco. Il faut trouver une ouverture. Masuaku. Ça va mal pour cette équipe et évidemment le public n'est pas content. Il va devoir aller chercher un peu plus ses ballons. Sterling. Dele Alli. Ah, bien défendu ce ballon récupéré sur l'aile. Ah, la passe en profondeur, attention. Isco. Goretzka. Allez, il faut centrer. Il tente de trouver Isco par-dessus. Oh oui! Ah, il n'avait plus qu'à conclure. C'était vraiment un bout portant. C'est un but qui permet à cette équipe d'accentuer encore son avance. On voit mal ce qui pourrait empêcher cette équipe de gagner cette rencontre. Ah, le match qui a clairement tourné maintenant. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie.
Le remplacement qui a été demandé par l'entraîneur. Au prochain arrêt de jeu, il va pouvoir faire son entrée devant son public. Il essaye de trouver la faille. Goretzka. Il faut trouver une option disponible. Allez, le centre maintenant. Allez, il peut la mettre, il peut la mettre, Isco. Oh, qu'est-ce qu'il s'est bien arraché sur ce coup. Sterling. Dele Alli. Il cherche des solutions là. Il ne maîtrise pas le ballon, il le perd. Allez, il va pouvoir jouer vers l'avant. Il n'y a personne. Ah oui, la bonne passe. Il peut poursuivre son action. Oh, le but! Oh, qu'il est bien placé ce ballon! Oh, c'est imparable pour le gardien! Magnifique technique sur ce but. Il arrive à placer le ballon à ras de terre, près du poteau. C'est imparable. Il semble prendre un avantage quasi décisif. Oh, la parade exceptionnelle! Oh, quel arrêt! Ah, c'est magnifique, et d'ailleurs, ses coéquipiers le félicitent. Le corner en direction du point de pénalty. En position idéale pour centrer. Casemiro. Et ce centre qui est contré. On va assister à un changement, Pierre. Ah, Hervé, on a vu l'entraîneur consulter son staff avant de se décider. Ouais, c'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Il cherche le point de pénalty. Ouais, bien vu le centre en retrait. Goretzka. Et on retrouve Johan Cruyff, bien sûr. Masuaku. Ça doit être difficile hein, quand même pour les joueurs de voir un public aussi éteint dans les tribunes. Ouais, très difficile même. Enfin bon, techniquement ils sont dominés, moralement c'est guère mieux. Le match est en train tranquillement de virer au cauchemar. Casemiro, Isco, je pense qu'il peut faire quelque chose. Et ça fait but! Aucune chance au gardien à bout portant. C'était gentil de la part du gardien de déserter son but comme ça. Ouais, et puis ça n'a pas déconcentré le joueur au moment de conclure, heureusement d'ailleurs. Ouais, clairement, ce match tourne à leur avantage. Danny Van de Beek, Philippe Anderson. Un ballon pour l'adversaire. Casemiro. Ah, il progresse bien là. Goretzka. Ballon en profondeur. Oh, le joli plongeon pour rassurer tout le monde. Ouais, c'était pas la peine de forcer là-dessus, mais bon, faut y aller quand même. Un corner adressé au niveau du point de pénalty. C'est pour le gardien, ce ballon. Allez sortir, bien joué. Allez, 9 minutes. Il ne reste que 9 minutes à jouer. Eh oui, bien défendu. Il a coupé la ligne de passe. Ouais, belle inspiration avec cette talonnade. Chercher une solution là. Joe Cancelo. Goretzka. Casemiro. Ah non, le ballon est perdu. Danny Van de Beek. Sterling. Bien récupéré, bien joué. Joe Cancelo. Ah oui, c'est bien fait ça. Allez, le plongeon là pour les photographes, même si c'est vrai quand même le danger était réel. Ouais, enfin ça fait un peu pop-corn comme intervention quand même. Goretzka. Jordi Alba. Et finalement, l'arbitre signale un hors-jeu. Casemiro.
Alors que j'ai découvert le temps additionnel, décompté 3 minutes. 3 minutes de temps supplémentaire. Koretka. Isco. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Isco, ouais, elle est belle cette passe en profondeur. Oui, bien joué le gardien qui écarte le danger. Le match qui s'achève.